Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rome 2 Total War, toujours avec le DLC Rise of the Republic. On se retrouve donc pour la suite de nos conquêtes. Donc j'ai cherché un petit peu pour le coup des archers, et en fait il se trouve qu'on ne peut pas en recruter avec nos bâtiments militaires de base. On ne peut recruter que des archers ultra basiques dans la province de Pouille grâce aux colonies, là. On débloque ce truc là, les archers Yapige natifs, qui sont vraiment des types ultra basiques. Et également dans cette province là où les colonies débloquent des archers grecs natifs, c'est les seuls archers qu'on peut faire, c'est les mêmes hein, deux points de détail près. Ça va être difficile de faire vraiment des archers malheureusement dans nos armées. Visiblement on est plutôt sur du mec avec javelot dans ces armées là, donc on verra ce qu'on peut recruter. Au pire on ira dans le coin chercher des archers lambda histoire d'en avoir quelques-uns, et puis on fera avec. Ce qui veut dire qu'ici on va dissoudre quelques unités, hop, et on va prendre de l'archer à la place du guerrier lucanien. On va commencer à vraiment professionnaliser nos armées parce que il faut vraiment. Donc cette armée on lui a mis une fessée, c'est pas gênant hein. Elle va repartir, on la finit pas, on s'en fout complètement. Donc ici on pourrait reconstruire un nouveau bâtiment, il faudra qu'on y pense. Lui il fait son taf. Où est passé notre petit bateau? La turbulence divine. Turbulence divine, tu vas plutôt faire le tour par là. Tu peux découvrir ce qu'il y a là, là. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Mais c'est pas grave. C'est grand, ils ont fait. Il est grande cette île, hein, mine de rien. Ah, ici, on est dans une région maritime contestée. Oui, forcément, on se rapproche de. On se rapproche de nos ennemis, il faudra qu'on fasse un peu gaffe. Sinon, lui il est déployé, il aide un petit peu à tenir le bousin. Ici on va laisser tomber cette armée, ce serait pas mal si on pouvait revenir. Non, on peut pas revenir malheureusement. Donc tant qu'ils sont en bateau, hein, je m'en tamponne. Cette armée là, elle continue également de faire ce qu'elle peut pour tenir. Est-ce qu'on peut pas lui recruter un petit archer? Non, pas assez de sous. Ok, on s'arrête là. On passe le tour. Donc là, il envoie une armée faire je ne sais quoi, mais il fera rien de toute façon avec aussi peu de troupes. Hein, on a pu voir que nos garnisons sont largement suffisantes pour tenir. Ah, ici visiblement, il était un petit peu refroidi. Intrigue politique. Ok, on a un ordre public amélioré dans toutes les provinces, c'est nickel. Oh, il s'est passé un truc ici, là, je viens de voir. Le commerce n'est plus possible avec cet allié vital. Ah merde. Pourquoi un parti politique qui a quitté votre faction vous a déclaré la guerre. Ah, d'accord, c'est pour ça. Putain, émeute dans la capitale. Ah ouais, putain, ils ont eu moins 10 de loyauté parce que ils avaient fait des émeutes, c'est con. Oh la vache, le drame. Ah ouais, alors ça par contre c'est la merde. Donc ça c'est devenu une armée ennemie. Ici c'est toujours à moi. Par contre cette armée du coup est dehors. Ok. Là c'est toujours à moi. On a perdu toute cette province. Et ici on a perdu l'armée qui était en embuscade là, qui va donc potentiellement sortir d'embuscade très vite. Ok, heureusement qu'on a recruté dans cette armée là du coup. Et ça se passe comment par là-bas? Ici c'est resté à nous, très très bien. D'accord, alors ça c'est le petit truc qui va nous mettre probablement un petit coup d'arrêt. Un nouveau parti créé. Alors regardons un peu à quoi ça ressemble. Ah donc les partisans de Mercure.
Alors, qu'est-ce qu'ils sont diplomates. Moins un de loyauté pour chaque raison de moins 100 de relations avec une autre faction. Donc par contre, on est... on a une influence écrasante, du coup. J'ai l'impression que c'est celui qui était là, qui est devenu... épouse aigrie. Ah non. Plus 3 de loyauté des partisans de Mercure. Bah, c'est tant mieux. Ok, alors là, c'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. Il va falloir qu'on s'occupe de ça, du coup. Alors, est-ce que ça fait vraiment une nouvelle faction? Comment ça se passe? Séparatistes samnites, ils sont en guerre que contre nous. Hein, donc, ils sont pas en guerre contre les Taras et compagnie, donc ils vont pas sauter là-dessus, du coup. Et on est en déficit grave de nourriture. Par contre, on a gagné plein de sous. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais tant mieux. On est en déficit grave de nourriture, ça fait chier. Donc ici, on va faire de la bouffe. Même si ça va prendre quelques tours. Donc ici, on va aller écraser cette armée-là pour commencer. Il s'enfuit, bien sûr. Ouais, tuer ces lâches, tout à fait. Donc c'est notre armée avec nos sous qu'on va écraser. Hop. Ah, il a survécu. Donc par contre, eux, on va les envoyer en esclavage. Ah, parfait. Bonne chose de faite. Ok, donc ça c'est plutôt bien. On va se mettre en marche forcée, on va retourner dans cette cité. Voilà. Ici, donc il y a cette armée là qui est malheureusement était plutôt plutôt énervée. Mais bon, on a normalement deux niveaux pour lui taper dessus. Ça va beaucoup dépendre de ce qu'elle va faire. Par contre, du coup, ce qui me gêne le plus, c'est cette armée ici. On n'a plus que deux armées, hein, du coup. Et il va falloir qu'on aille reprendre ça. Hein. Donc on va être obligé de relever des troupes. Et vu notre bouffe, c'est un peu la merde. Mais c'est pas grave, on va donc lever des forces. Ah, on peut pas. Très très bien. Fortifier. Est-ce que c'est intéressant? On peut pas se déplacer, mais ouais. C'est pas ouf. Bon, cette armée-là, va falloir qu'on s'en débarrasse, mais pour l'instant, on peut pas faire grand-chose. Ouais. Ça, c'est un peu la merde, hein, quand même. On va pas se le cacher. Ici, on peut saboter la colonie, inciter à l'agitation. Ouais, bof. On me dirait, ça me fera du niveau, donc on va le faire. Parce que j'imagine qu'ici, il va commencer à recruter aussi. Hein. Il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Alors, tiens, tu peux peut-être prendre quelqu'un, toi. Plus un de ruse, plus un de ruse. Vas-y, prends donc de la ruse. Et du coup, on va rester sur la ruse. Ouais, on va prendre ça. Au niveau ordre public, comment ça se passe sinon? Globalement, ça va. Ici, ce serait bien qu'on trouve l'armée qui était planquée là. Oh, j'ai l'impression qu'on peut pas. Bon, si jamais ils décident de tomber là, ça risque d'être un peu la violence. Hein. Enfin, on a quand même une belle garnison, mais ça risque quand même d'être un peu la violence. Il va falloir qu'on garde notre blé. Pour gérer la suite. À Scipius on est comme en 9-2, c'est pas si mal. Du coup on va faire de la nourriture. Bah ici du coup j'ai détruit un truc de nourriture, c'est un peu triste mais... on a ça. Et on peut partir sur l'atelier du bronzier. Donc on va faire ça. Il n'y a rien qu'on puisse faire malheureusement pour notre
pour notre comment? Pour notre attrition. Ouais, les entraîner un petit peu dans le coin. Et il va falloir que bah on. Ouais en fait ici. On va rester un tour ici pour. Bah non, ça sert à rien, on peut même pas se refaire. Non, non, faut qu'on se tire d'ici. Faut qu'on se tire d'ici en speed pour aller tomber sur ces gens là. Et ici, on va attendre de voir ce que fait cette armée. En attendant, on va se déplacer par là pour éventuellement agir en cas de besoin. Ici, on est déployé, très bien. Ici, on va attendre de voir ce qui se passe. Ok, donc on va globalement attendre de voir ce qui se passe. J'ai même pas regardé si ma flotte était devenue ennemie ou pas. Donc il a décidé de se replier, visiblement. Alors, les séparatistes samnites nous attaquent, normal, hein, donc avec une armée très très haut niveau, malheureusement. Putain. Non, bah, ça sert à rien de la faire, hein. Je pourrais lui faire mal, mais de toute façon, le temps qu'on arrive pour contre-attaquer, il nous aura. Enfin, il se sera refait, donc on va la faire en auto, celle-là, ça sert à rien. On va se mettre en protection dans la ville, on va crever. Donc malheureusement on va perdre Ellie qui avait bien tenu jusqu'ici toutes les attaques ennemies, mais là notre propre armée surentraînée aura suffi à la faire tomber malheureusement. Alors on a un seigneur de guerre qui a gagné un niveau, très bien, donc on a des désertions normales. Hein. Des usures, alors attendez, de la désertion c'est pas pareil que de l'usure. Pénurie alimentaire, ouais je sais, ouais. Voilà, des faveurs de Carthage, très très bien. Armée détruite, oui on s'en fout de ça. Colonie perdue, on sait. Désertion. À votre service. Comment ça, désertion? Ok, il y a lui qui s'est... Ah mais non, mais c'est les mecs qui se sont rebellés, qui ont déserté, on s'en fout. Donc ici on va leur tomber dessus, donc pareil hein, c'était une armée d'excellente qualité, mais il faut bien faire avec. C'est parti. Il faut que j'invoque le Versacrum d'ailleurs je pense. Ah putain, ce point de défense de fou, j'aurais cru qu'il serait dans leur petit fort. Donc l'objectif va être de reprendre... non, on va attendre pour profiter de nos archers, ouais, voilà. L'objectif va être de reprendre le plus vite possible notre... Qu'est-ce que c'est que ce placement de merde? Non, on va essayer de profiter du pont, hein, bien sûr. Quoi qui est là? Son général qui est tout là-bas, il n'y a pas de guet. Hein. Non, non, de toute façon, tout va se tenir sur ce pont. Il y a des frondeurs du Versacrum devant qui seront malheureusement plus efficaces que nos archers pour une fois. Ok, c'est parti. On va donc envoyer des lanciers courir devant là. Et on a des frondeurs italiques qui vont courir ici pour commencer. C'est parti. C'est une belle journée pour une bataille. Toutes les journées sont belles pour une bataille quand on mène des hommes de votre trempe. Soldats, nous serons victorieux en ce jour. Par tous les dieux, je le sens dans mes tripes. Gardez la vitesse, commandant. Nos archers, on va les poser là. Lancier, sortez les murs.
Ouais, non, ça sert à rien. Recule, mec, ça sert à rien. Il faut qu'on le force à s'approcher. Parce que là, malheureusement, il va juste se faire tirer dessus pendant qu'on peut rien lui faire. Donc on va rester juste derrière. On va se préparer à protéger le pont si besoin. Ouais, il n'y va pas. Hein. Il n'a pas envie de venir, ce qui est logique, c'est nous qui attaquons. Donc il n'y a aucun intérêt, je sais pas pourquoi il a foutu son général super loin. Avancez sur les rives, vous. Pour pouvoir leur tirer dessus. C'est quoi ça? Mur de bouclier, ok, on s'en fout un peu. Essayez de vous concentrer, voilà, ils sont bien en tas, c'est nickel. Lanciers italiques, en cadence. Là on va malheureusement pas être en position pour les archers, j'ai peur. Même si je les mets très proches. Leur fait mal, c'est parfait. Est-ce qu'ils peuvent tirer eux? Non, ils peuvent pas tirer. Ça fait un peu chier. Après, s'ils tirent sur nos lanciers en armure, ça aide. Hein. On va pas se plaindre. Mieux vaut éliminer. Il faut que j'élimine le plus vite possible ces unités de tir, hein, tout simplement. Parce qu'une fois qu'on les aura éliminées, on pourra tenir le pont beaucoup plus facilement. Voilà, ça s'enfuit, c'est parfait. Voilà, là ça va commencer à l'exciter un peu. Hop là. Parfait. Il va s'approcher à portée de nos archers en plus, ce qui est encore meilleur bien sûr. Ok, il envoie du monde, même pas dans le pont, mais proche du pont. Peut-être pour protéger ses frondeurs. Bon ça va, s'il se comporte à peu près débilement comme ça, on a moyen de réussir quelques trucs je pense. Ok, parfait. Frondeur s'enfuit ici. Où sont les derniers? Je les vois pas. Alors je veux pas qu'ils bougent eux, donc on va leur demander d'arrêter de tirer et de se remettre à tirer. Ok, il balance sa cave. Ah, vous êtes sérieux? C'est une blague? Putain. C'est abusé ça par contre. Alors là, je suis super blasé. Je suis vraiment super blasé. Ok d'accord, hein, si c'est comme ça, vous courez ici. N'importe quoi. Oh là, la cavalerie, moi j'arrive jamais à les faire passer comme ça en ligne droite un par un, c'est n'importe quoi. Donc là on va pouvoir les laminer de côté avec nos tireurs, ce qui est parfait. Alors les archers tiraient plutôt sur les gens qui sont derrière là, genre les mecs en armure. Rechargement rapide. Et en tir enflammé s'il vous plaît. Notre général se fait attaquer. Hein? À quel moment? Ah mais putain. Reculez les gars, vous faites n'importe quoi là, vous arrivez à tirer des flèches enflammées sur vos propres potes. Alors ici on va se débarrasser d'eux,
Ça devrait aller assez vite. Voilà. Par ici, ils vont très vite lâcher l'affaire. Alors vous, n'allez pas au corps à corps. Je ne vois pas trop l'intérêt. Il y a bien assez de troupes au contact. On va d'ailleurs en envoyer quelques autres. Non, stop, il faut stop. Replacez-vous en ligne, pareil pour vous, les gens s'enfuient, pas la peine de s'emmerder. Vous, vous allez commencer à laminer un petit peu le général. Alors, où est-ce que tu vas? Non, du coup tu ne vas pas laminer le général, si c'est comme ça. Vous allez ici, et vous, vous avez moyen de laminer le général de là où vous êtes, donc allez-y. Parce que pourquoi pas. Ça c'est quoi? Ça c'est du guerrier du canier, très bien. Il faudrait que je les tourne un peu en fait. Non, ça va, ils arrivent à... Merde. Stop. Ils arrivent à faire le taf. Ce qui est très bien. Notre général est malheureusement assez peu expérimenté. Allez, poussez un peu les gars, si vous pouvez. On n'arrive même pas avec des flèches enflammées à passer là, ils sont trop loin je pense. On va repasser en tir normal. Et on va leur demander de tirer un petit peu dans le tas ici. Bon, il a une unité de frondeur qui est très loin. Qui n'est pas encore engagé. Toutes nos unités d'élite sont engagées encore. Mis à part notre général. Il y a juste des lanciers ici qui... Allez les gars, on y va, on y va. Ils essayent de passer là, faut y aller. Ah, le général commence à bouger, on a même pas réussi à lui enlever une seule unité quoi. On commence à plus avoir de munitions malheureusement. Mais bon, les tireurs ont quand même bien fait le taf. Hein. On va pas dire le contraire. Bon, ici on leur. On arrive à leur laminer un petit peu la vie. Quand même. Même si on tue pas des gens, ils vont petit à petit perdre en vie quoi. Il y a énormément de troupes de haut niveau quoi. C'est un peu le drame. Allez, on accroît la pression, on accroît la pression. La cavalerie ne peut pas faire grand chose pour l'instant, mais c'est pas grave. On va renvoyer des unités un petit peu plus bas de gamme. C'est pas grave. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Vous, il vous reste encore quelques petits, petites caillasses. Vous aussi, donc toi t'as plus rien, recule. Toi t'as plus rien, recule. Ici vous tournez. Ouais, ça, c'est pas la peine de tirer sur les gens qui n'ont plus rien à faire. Hein. Voilà, vous êtes tout prêts, essayez de leur mettre des caillasses. Ah, ils s'enfuient pas, hein, les lanciers sabins et les guerriers du canyon, on les connaît, ils s'enfuient pas. Hein. C'est pas trop leur genre, quoi. Mais bon, avec une pluie de cailloux, au bout d'un moment, une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Ils devraient commencer à pouvoir faire des trucs. Donc eux, on les recule, eux, on les recule. Ah yeah, ça commence à céder un peu. C'est le moment d'inspirer un petit peu et d'envoyer la pression. Parfait. On va pouvoir faire donner la cavalerie. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Il reste plus que le général qui résiste. Chargez dessus. Malheureusement la cavalerie va pas pouvoir passer je pense. On va essayer mais...
Julota, je suis pas convaincu. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Allez, essayez de passer les gars. Ouais, voilà, ça le fait. On va mettre la pression. Alors, on va envoyer une cave là, une cave sur ces frondeurs. Et ici, on va essayer de capturer toute cette longue colonne. D'ailleurs, eux, ils sont pas complètement, ils ont pas complètement cédé, donc ça y est, ils ont cédé. Allez, tracez-moi sur ces gens. Ouais, on a perdu de la cavalerie, hein, en essayant de traverser. Putain, allez, ils arrivent pas à sortir. Revenez. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont déjà sortis de. Je vous ai demandé d'attaquer eux là. Ah, ils ont pris un peu cher, hein. En essayant de traverser le général. Mais bon, normal, hein. Le général fait son taf. Et on les connaît, les généraux samnites. Ils aiment pas trop qu'on. Ils aiment pas trop perdre, hein. On les a vus depuis le début de la campagne. C'est pas trop leur genre. Bon, les gens qui sont là-bas, il y a du guerrier lucanien, ouais, il y a pas mal de guerriers lucaniens quand même qu'il faudrait qu'on prenne. Ici on va prendre les derniers frondeurs du Versacrum avant qu'ils s'enfuient. Ça fera le taf. Le 10 montagnards italiques pourris. On va charger ces mecs avant qu'ils décident de se réveiller. C'est bon, ils se réveilleront plus. Ici on a du guerrier lucanien, du lancier sabre en armure. Ok, là on s'est fait les frondeurs. Parfait. Allez, c'est parti. Comment ça se passe là? Le général ne veut pas céder, hein. Il a une belle ligne. Non, c'est peut-être pas la peine par contre. C'est chiant parce qu'avec notre problème de nourriture, on va galérer à refaire nos troupes malheureusement. Ça y est, ça commence à céder un peu. Ici on nettoie. Ok, victoire. On va continuer, hein. L'idée c'est de vraiment s'en débarrasser cette fois. Bordel. Poursuivez-moi ces cons, qu'est-ce que vous faites? Ils sont encore en vie. Ok, là on va s'occuper de cette unité là. Cette unité là on devrait réussir à la finir. C'est où la limite de compo? Ouais, c'est très très loin, c'est bon. C'était pas facile mais bon, je pense que le pont nous a pas mal aidé quand même. Voilà, ici il ne reste plus personne. On va finir le général et ce sera fait. C'est quoi ça? 12 guerriers lucaniens. S'il reste quoi? 18 encore quand même, hein. Même à poil, ils résistent les mecs. Parfait, on va les finir. Bon, on a pris cher à traverser l'unité de général avec notre cavalerie, mais c'était nécessaire. Le général ennemi est mort. Parfait. Le général ennemi c'est fait. Vous, par là-bas plutôt. J'ai vu qu'il y avait une unité qui traînait là, elle est où? Elle est là. Allez, ici on s'occupe d'eux. Il en reste plus que 4, ça devrait suffire. On devrait être épuisé les cavaleries, non? Ah, même pas, ils sont juste actifs. Hop là! Bon,
Une bataille rondement menée. Maintenant, il va falloir qu'on règle notre problème de nourriture. Très vite. Pour pouvoir relever des nouvelles armées un peu plus efficaces. Voilà, c'est bon. Bon, là, il doit rester 3 pions sur la carte. On va s'arrêter là. Une victoire décisive. C'est parfait. 2500 pertes de son côté contre 438 d'une autre. Bon, c'est malheureusement l'unité d'élite, mais tant pis. De son côté aussi, c'en était. Bon. La suite des opérations. Bah, dis-moi qu'on va réussir à le buter quand même. Oui, on les envoie en esclavage, ça leur apprendra. Putain, il leur reste un petit peu d'armée, sérieux? Voilà, allez, on les bute. Il n'y a pas intérêt que je perde une unité sur cette bataille par contre. Non, c'est bon. Perte zéro, parfait. Allez. Salut mec. Très bien, donc malheureusement, on prend toujours de l'attrition. Ça c'est un peu chiant. Alors on a un niveau, donc il nous faut de l'autorité avec lui. Et c'est quoi ça qui a un niveau? Ah, c'est le seigneur de guerre qui a un niveau. On va prendre terrifiant niveau 2 pour démoraliser un petit peu les armées. Faudrait que j'essaie de penser à le faire, ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Toi, sors. Ok, donc ça c'est fait. On va dézoomer un peu pour y voir quelque chose. Voilà, donc ici, lui est venu faire un peu chier. On a un espion ennemi ici. On va s'en débarrasser en speed, on n'a pas de ça à foutre. Voilà. Alors ici. Alors, on réduit la portée de déplacement, on va faire ça. Ça fera toujours un petit peu de niveau. On va commencer à le harasser un peu de toute façon, ça va être le but. Votre volonté est faite. Oui, un rang supérieur, très très bien. Et cet espion là, qu'est-ce qu'il peut faire? Sabotage de la colonie. Alors on va essayer de voir s'il n'y a pas des armées que j'aurais oubliées dans un coin. En lui demandant de révéler ça. Ah non, s'il n'a pas réussi. C'est bien dommage. Heureusement que j'ai pas foutu l'espion dedans, je me demande si il se serait rebellé aussi avec. Cette armée là... Si je la mets en marche normale, ah, elle a pas la possibilité malheureusement d'aller jusque là. Pourtant il faut y aller. On va du coup également lever le Versacrum. Qui ne peut pas non plus y aller, on dirait, malheureusement, à très peu de choses près. C'est bien dommage, donc au prochain tour on reprendra cette cité en espérant qu'ils ne détruisent pas de bâtiments. Parce que ça ferait un peu chier. Avec le reste de nos sous, puisqu'on a plein de sous. Ici on peut étendre la cité de Manduria. On va le faire. On va refaire de la bouffe. Consommer de la nourriture, ça me paraît une idée de merde dans le contexte là. Ici l'ordre public est pas si mal, donc on va rester comme ça. Et ici on va améliorer ça. Et bah ici on va rien faire puisque c'est plus à nous. Oh, le région a repris ça, faut que je fasse gaffe. Bah du coup je me demande si une paix avec lui serait pas adéquat. Alors Carthage nous aime bien, enfin nous aime mieux.
Vos mots trouveront oreille attentive ici. Toujours pas un accord commercial, malheureusement. Maintenant, les régions. Je vous salue et vous accorde mon attention pendant les quelques projets. Toujours pas de paix. Les crotons, est-ce qu'ils veulent toujours une paix? Non. Ils sentent qu'on est dans le mal, forcément. Ils ont envie d'en profiter. Par contre, eux, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont fait défoncer? Pourquoi plus d'accord commercial? Ah bah c'est sûrement... Non, mais je suis con, c'est parce que j'ai perdu mes ports, tous mes ports sur ce côté-là, malheureusement. Malheureusement. Alors, est-ce que Syracuse toujours pas motivé pour un accord commercial? Oui, nous aime bien d'un coup. Ah oui, parce qu'on a plus le, on a plus que moins 25 de malus vu qu'on a perdu des terrains. Bon, on va essayer d'en profiter. On va continuer de draguer Carthage. Ouais, on va t'envoyer toi à Carthage. Donc on a personne à recruter. Est-ce qu'on peut lever une armée? Non, toujours pas. Hein. Toujours pas. Oula, je me barre de touche. Ok, donc prochain tour, on va commencer à reprendre cette province-là. Ici, on va se débarrasser de tous les risques ici. Donc il va falloir qu'on commence à se déplacer par là pour essayer d'empêcher que le Taras profite de la situation. Et eh bien on verra tout ça lors du prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. On se retrouve très bientôt pour la suite et je vous dis merci à toutes et à tous.